vérifier si c'est pas une entrée de champ exactement comme il faut. Pourquoi t'es arrivé à la Sardine ? Pourquoi j'étais licencié économique et il a fallu que j'avais plus trop envie de faire le métier que je faisais. J'avais envie de changer et puis bon, au départ, c'était pas à la pêche que je pensais aller. Je pensais, bon, plus jeune, j'avais envie d'aller travailler au commerce plutôt. C'était un truc qui me plaisait, quoi. Bon, mon père l'a fait un peu et bon, alors du coup, comme reconversion, bah, je suis allé à l'école de pêche passer un capitaine de sang. Après, bon, après m'être renseigné avec des gens de mon entourage. Et je suis allé, j'ai passé mon diplôme et puis au bout du compte, bon, ben, au commerce, c'est pas facile de trouver du boulot. Et à la pêche, ben, c'était déjà plus simple. Et quand j'ai des potes ici à la Sardine, ils m'ont dit bah, viens sur le quai, tu trouveras peut-être une place. Et c'est arrivé, j'ai eu la chance de trouver sur l'Aigle et depuis j'y suis. Ce métier-là me plaît vachement, hein. Je changerai pas, quoi. Pour l'instant, à l'heure d'aujourd'hui, je vais pas changer, ça c'est clair. Hein. Là, franchement. Hein. Pourquoi ça te plaît ? Bah, ça me plaît, l'ambiance du travail. On est six à bord. Bon, là, on est des jeunes. C'est sympa. Et puis même, le métier, chaque jour, est différent. On découvre toujours un truc nouveau. C'est sympa, quoi. C'est pas évident d'expliquer. Bon, bah. C'est une atmosphère en fait. Ouais. Plus l'ambiance du port, on voit le matin là, tous les bateaux sont là, on voit les collègues, c'est pas mal, moi j'aime bien, j'adore ça. Je trouve ça génial. L'activité de pêche de la sardine par rapport au port. Ça t'inspire quoi ? Bah, économiquement c'est important, hein. Ça, on fait vivre beaucoup de monde. On fait vivre du monde et ces personnes-là nous font vivre aussi parce qu'ils nous l'achètent notre sardine. Donc ça représente les mareyeurs, les employés de marée, les transporteurs, les usines. Économiquement c'est important quoi. On a besoin de ça pour ici si on veut que l'économie locale dure et perdure, ben, il faut ça, hein. c'est hyper important, hein. Je sais pas, déjà à la Bolinche il y a 6 bonhommes par bateau en moyenne, il y a plus d'une vingtaine de bateaux, ça représente 120 marins plus dans les magasins de marée, ben, je sais pas combien il y a de personnel, mais bon ça représente, hein. Ça fait vivre plusieurs familles quoi, donc c'est hyper important. S'il y en avait plus, je sais pas comment qu'est-ce que feraient les gens. Ils seraient... Il y aurait peut-être un peu plus de chômage aussi, hein, je peux pas dire. Mais... C'est hyper important quand même.